Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Memo990, on se retrouve pour Dragon Ball Z Ultimate Tenkaichi, la découverte, moi j'ai déjà découvert personnellement, mais je vais vous faire un petit test vite fait avant de le grand test, le vrai test qui sera un peu mieux réussi que celui-là. Alors, tout d'abord, je vais vous présenter les différents modes qu'il y a dans Dragon Ball Z Ultimate Tenkaichi. Il y a le mode histoire, mode avatar, mode combat, championnat du monde, personnalisé, c'est pour personnaliser les techniques, la musique que vous voulez entendre pendant les combats. Il n'y en a que une qui est officielle. Je pense que vous l'avez... Enfin, pour les fans de Dragon Ball, ceux qui ont vu la série animée à la télé, je pense que vous avez reconnu dès le début Chala et Chala. Le Xbox Live met ça vite fait si ça peut en intéresser quelqu'un, ou en bonus. La maison capsule, les options et l'entraînement. Mode histoire pour revivre toute l'histoire de Dragon Ball. Enfin, ils disent qui suivent l'histoire de Dragon Ball. Voilà. Je préfère qu'ils précisent ça parce que dans ce jeu-là, vous n'avez pas du tout les personnages de Dragon Ball. Vous vouliez Tenkaichi génial, vous vouliez Sangoku petit. Eh ben non. Le mode avatar, c'est un mode que personnellement j'adore. Je vais peut-être même vous le présenter. Hein. Le mode avatar qui est en principe le fait de personnaliser soi-même un personnage, l'entraîner avec... On va continuer avec lui. Il ressemble un peu à Broly, mais enfin en moins gros, en moins baraqué et en plus chevelu. Le petit jeu du chargement, hein, avec la petite musique qui va bien. Oui, alors ce jeu là je l'ai pas fini du tout, hein, je suis encore loin de la fin. Alors voilà, c'est le mode avatar, vous baladez sur la map, le principe est de faire des combats, évidemment. C'est pas de faire ces combats là qui sont mis en rond bleu, c'est de faire les combats principaux, c'est-à-dire ceux-là avec une petite étoile là. Je sais pas si vous verrez bien, mais avec une petite étoile. Et alors il y a l'entraînement, c'est pour apprendre toutes les techniques selon le type de votre personnage. Par exemple, le type massif, il peut apprendre des techniques de C16. Alors un peu plus loin, Nappa. Encore plus loin, on aura certainement Broly, je pense. Et forcément un autre, je sais pas qui. Pour le type, enregistrement court, j'ai rien fait, mais enregistrement, pas grave. Pour le type normal, c'est tous les personnages sauf les massifs et les petits. Et les types petits, c'est Krillin, Sangohan et Gotenks. C'est tout. Mais pas plus. Malheureux, c'est le personnage le plus fort au corps à corps, il peut quasiment rien apprendre. Le personnage le plus fort au ki, il peut rien apprendre. Et le personnage normal, c'est celui que vous allez prendre, puisqu'il peut tout apprendre quasiment. La boîte à capsules qui vous permet de voler sur le nuage supersonique qui ne sert à... C'est juste esthétique, hein, ça sert pas à grand chose. La personnalisation des techniques, ça c'est pratique. C'est pour ajouter des bonus à votre personnage. Là par exemple, c'est un truc spécial attaque, hein. Corps à corps plus 6, plus 4 et plus 2, je peux avoir mieux. Mais il faut les débloquer en faisant les entraînements. C'est un peu long, les entraînements. Là vous avez les techniques spéciales que vous pouvez modifier de votre personnage, hein. Vous pouvez avoir le Kamehameha et tout. Faites un Kamehameha à Sangoku ou autre. Mais une technique ultime. Le statut pour savoir où en est votre personnage. Oui, la toute G. C'est le début. Il fait quelques combats, les deux principaux. Deux premiers. Et la maison capsule, ce qu'on va voir tout de suite. Je voulais pas vous la montrer tout à l'heure parce que là, quand on va en mode avatar, on a un petit truc en plus. C'est de pouvoir modifier son personnage. Voilà, alors la musique Chala et Chala. On va l'arrêter parce que j'ai beaucoup trop écouté. Les boules de cristal, les rediffusions pour voir vos matchs. J'en ai mis aucune. Pour voir les vidéos du mode histoire, hein. Qui prouve bien que je l'ai. J'ai été loin dans le mode histoire. Hein. Voilà. Mais en fait, le mode histoire, j'ai fini sur une autre sauvegarde. L'encyclopédie des personnages. Et pour éditer son personnage, voilà. C'est pour ça.
C'est assez sympa de modifier son personnage. Il a plusieurs coupes de cheveux. Garder la coupe de cheveux rebelle parce que toutes les autres, celles-là, je l'ai prise pour mon personnage normal. Ça fait un peu Sangoku Super Saiyan qui s'est mal brossé les cheveux. Le Shonmage qui ressemble, personnellement, je trouve qu'il ressemble à rien. Ça fait samouraï pour un Super Saiyan, c'est pas cool. Les cheveux longs à la C17. Le turban à la Piccolo. Et la boule à zéro à la Krillin. Ou Tenshinhan plus. Sans le petit nonœil au milieu. Et les points. Donc on revient sorti. Il y en a plus, hein. On va prendre celle-là, on va la garder. Les tenues, les voix, on peut tout modifier. Même la couleur de notre personnage. Ouais, j'ai eu un petit bug au niveau de la voix là. Désolé, il est le soir, je suis un peu fatigué. Alors, on va repartir en mode avatar. Et on va faire le combat contre Piccolo. Oui, je le connais par cœur, le mode avatar. À faire le combat contre Piccolo. C'est le moment spécial où il se transforme en Super Saiyan. Et après, bah, je vais vous montrer le mode histoire. Oui, c'est. Vous vous dites, là, c'est une petite étoile. Pourquoi il fait pas le combat pour avancer l'histoire? C'est un combat, à dire alternatif. C'est juste un combat comme ça. Ça vous rapporte plus que les combats, des villes et autres. Mais bon, je le garde un peu pour plus tard. Et là, on va aller faire le combat contre Piccolo pour vous montrer le système de combat. Je vais certainement me prendre une branlée, hein. Le personnage, il est pas entraîné. Il est pas spécialement grandement amélioré. Enfin, si, j'ai fait deux entraînements. Bah, à la base, c'est un personnage que j'avais effacé. Parce que je m'étais planté, j'avais pris l'entraînement de Sangoku. Et là. Bah, je me suis retrouvé, une fois que j'ai fini l'avatar normal, bah, je me suis dit, bah, je vais repartir sur celui-là, je vais tout recommencer depuis le début. Et non, tu t'es fait avoir. Je me suis fait avoir complètement parce que j'ai pas pu continuer, enfin, j'ai pas pu recommencer depuis le début. J'ai recréé un personnage, j'ai repris au début aussi, mais pour les entraînements, les techniques que j'ai apprises, ça me les a remis. C'est assez pratique dans un sens, mais l'entraînement, pour le finir, faut y aller. L'entraînement de Sangoku, quand on est au début, il est difficile. Évidemment, je l'ai fait avec l'avatar normal où j'ai fini. L'entraînement, il va tout seul. Hein. Bon, ça vous dérange, on va passer les dialogues. Hein. Si vous voulez voir les dialogues, vous ferez pause. Moi, je les ai lus genre 5-6 fois. Je plaisante, j'ai dû les voir 2-3 fois. Alors, X pour se battre. Et là, c'est assez simple. Y pour mettre des coups forts. De près, c'est de près pour faire des coups assez forts. Si vous maintenez X de près, ça en fait directement, ça l'envoie directement pour l'enchaîner. X, c'est pour frapper, faire l'enchaînement. Ou de loin, c'est pour envoyer les boules d'énergie. Pareil pour Y. Si on concentre, ça envoie plusieurs coups. Voilà. Et voilà, alors c'est le principe, c'est ça. Vous avez 50% de chance de réussir à faire le bon truc. Non, j'ai fait le même enchaînement, je vais vous montrer le même enchaînement que tout à l'heure. C'est pas bon. B pour se protéger, A pour aller vite en l'air, comme ça là. Voilà. Bas, enfin sur l'effet directionnel, bas pour charger son énergie. Là, je vais vous montrer les X. Sur les X, malheureusement, il n'y a qu'un seul enchaînement. Vous pouvez, enfin, là, au début, vous pouvez l'envoyer en haut, le mettre sur le côté. Mais au troisième, vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé de l'enchaîner comme un malade, comme ça. Bon, ça a son petit charme, mais où? Et là, voilà. Vous faites ça. Et là, tous les coups que vous mettez, il ne peut pas les contrer. Voilà. Donc, et là, vous allez revoir le même enchaînement. Je vous montre deux fois le même enchaînement. Enfin, non, pas le même enchaînement, puisqu'à la fin, on va y avoir un petit truc. Quand vous êtes en boost de frappe, voyez le truc en bas sur ma jauge, en bas en jaune. Sans c'est en boost de frappe, ça rajoute une petite séquence à la fin. Pour le X, c'est vraisemblable, c'est possible, ça montre bien que c'est bien fait. Mais quand c'est pour les Y, c'est n'importe quoi. Alors là aussi, quand vous êtes en jaune, enfin quand vous avez votre barre d'énergie qui est en jaune
Il peut vous frapper, ça fera rien du tout si vous continuez, si vous l'enchaînez en même temps. Bon, je fais trois fois le même enchaînement, mais ça... C'est juste le temps de vous parler, quoi, c'est... Est-ce que c'est là? Voilà, la petite séquence qui est quand vous faites le bouton Y ou triangle sur la manette de PS3. Je ne joue pas en PS3, j'aime pas PS3, j'aime pas PS3. Comme ça, c'est dit, c'est fait. Alors, c'est toujours le même enchaînement à la fin. C'est tutoyable. Enfin, c'est pas tutoyable, c'est chiant. Et aussi, beaucoup de personnes ont critiqué le jeu, même si c'est les fans qui ont demandé à voir ce jeu, c'est ça qui m'a bien fait. Beaucoup de personnes ont critiqué ce jeu parce que c'était aléatoire. C'est faux, c'est pas aléatoire. Les personnages ont des... Comment ça s'appelle? Des... Je perds mes mots, c'est énervant. Des... Comment on appelle ça? Ils ont des routines, voilà, ils ont des routines. Ils appuient tout... ils font toujours le même enchaînement. Voilà, Piccolo, vous avez vu qu'il a toujours fait le point. Enfin, le X. Il voulait toujours faire ça. Moi, j'avais juste à faire le triangle ou le Y pour les joueurs Xbox comme moi. Juste à faire le Y et c'est bon, ça passe tout le temps. Après, ça dépend du niveau de difficulté auquel vous jouez. En mode avatar, c'est vous jouez en facile au début, à la fin, c'est difficile, même si le boss de fin est facile à mourir. En mode histoire, vous avez le choix, facile, normal, difficile, normal, hein, évidemment. Je l'ai fait en facile, puisque je n'ai pas envie de le faire en normalement difficile. J'ai pas envie de me prendre la tête au premier combat contre Freezer. Oui, vous vous battez au début contre Freezer, pas contre Raditz. Mais vous êtes Bardock, hein, vous êtes pas... Vous êtes pas Sangoku ou autre. Hein. Et voilà, la première transformation Super Saiyan, évidemment, c'est... transforme Super Saiyan parce qu'on est énervé de perdre. C'est pas logique du tout. Et là, il a trop le style quand même. Enfin, en gros, vous voyez très bien ce que ferait Raditz en Super Saiyan. Ses cheveux, ce serait du grand n'importe quoi. Donc là, regardez, si j'arrive à le contrer, voilà. Et il fait toujours le même truc. Et là, quand... Là vous avez juste à enchaîner. Quand vous êtes dans le dos, il n'y a pas de petite séance. Vous avez juste à l'enchaîner, tranquille. Ça vous embête pas. Hop. Je te mets un boot. Petite référence à Bob Lennon. Vous pourrez aller voir sa chaîne. Et après ce combat, je vous montre certainement. Regardez, voilà. J'ai juste appuyé sur Y et ça passe. Je vais lui faire l'attaque finale qui est la super vague explosive, que pour l'instant on n'a pas trop le choix. Après je vous montre le mode histoire, le mode championnat du monde, je pense que beaucoup de personnes qui ont joué à Dragon Ball le connaissent. Ah voilà, c'est bon. À partir d'un moment ils ont compris. Ouais, d'une façon ou d'une autre je peux quand même le contrer. Oui, non, barrage d'énergie chargée, tu t'en vas, j'ai pas envie de te voir. Donc, vous pouvez vous dire, mais non, ça va rien enlever comme... Je vois pas la vie de l'ennemi, je vois même pas ma vie. C'est... La télé est complètement trop petite. C'est pas qu'elle est moisie, c'est qu'elle est trop petite. Malheureusement. Et la qualité, elle est pas top, c'est une péritel. Hein. Qualité péritel. Normalement, j'ai un câble HDMI. Mais le lecteur DVD ne prend pas le câble HDMI. C'est génial, j'adore ce lecteur DVD. Et ils disent... Il prend pas le câble HDMI et vu que j'enregistre avec le lecteur DVD, je peux pas enregistrer en HD, ça m'énerve à moitié. Enfin pas à moitié, ça m'énerve carrément. C'est chiant, c'est très 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 chiant. Donc voilà, le combat est fini, on a battu Piccolo, on est devenu Super Saiyan, incroyable, on est des masters et tout, on est trop fort. Et style, hein. Moi je passe, j'ai déjà vu deux fois, hein, deux, trois fois. C'est chiant. Il dit que c'est pas lui qui a mis le monde comme ça, que c'est bidule, que c'est machin. On va devoir se battre contre Baby Vegeta. Baby Vegeta, bien sûr. Dans un mode avatar, Baby Vegeta. Et c'est juste pour ajouter un monstre, un gros gris géant en or et tout. Mais ça je vais pas vous le montrer. Alors, la santé en F, voilà. Alors.
plus le truc là que vous voyez monter va haut, plus votre personnage va avoir de meilleures capacités au truc. Le truc le best c'est S. Mais vous pouvez pas avoir tout en S. Mon personnage principal a les Kikoa ou autre, je sais plus trop, en S. Et la santé il est en B. J'arrive plus à l'augmenter. C'est... J'ai fait tout, hein. Tous les combats, des championnats du monde, des entraînements et après des combats, ça marche pas. Vous pouvez pas vous remettre en. Vous pouvez pas le remettre. C'est triste, hein. Là, je sais pas si c'est. Qu'est-ce que. Voilà, bon, d'accord, c'est le gorille. Et aussi, je vais pas pouvoir vous montrer puisque je les ai déjà pris avec mon personnage que j'avais effacé. Quand vous baladez sur la carte, oui, bien joué Mathieu, c'est pas trop. Quand vous baladez sur la carte, vous pouvez choper des items qui vous permettent d'améliorer encore plus votre personnage. On va revenir au menu principal, hein. On se calme. Qui va vous permettre de customiser votre personnage. On va partir en mode histoire, hein. On va montrer un peu tout le palmarès du truc. Enfin le palmarès, un peu tout le truc du bidule. Alors, voilà. Alors, on rentre direct dans le vif du sujet, 5 ans, patati patata, c'est après le combat contre Piccolo, Sangoku Piccolo dans le championnat du monde, Sangoku le bat parce qu'il sort du ring, alors que le ring est dévasté mais il le sort du ring, fait que Sangoku gagne. Et là on va se battre contre Raditz. Alors ça j'ai bien aimé cet effet là de mettre des petites images pendant le truc. Il y a même des séquences du manga. Du dessin animé, puisque le manga, c'est, en fait, ce serait des petites pages, hein, ce serait tout en noir et blanc. Ce serait marrant, mais bon. Ça a son charme, comme on dit, mais pas là, pas dans un jeu vidéo en couleur. Donc là, vous pouvez vous balader sur la carte. Là-bas, il y a le championnat du monde. Je sais pas trop si on peut gagner une boule du dragon, une balle du dragon, comme ils appellent. Comme dans le premier jeu Dragon Ball sur NES, faut une référence, une petite référence à Joueur du Grenier. C'est Joueur du Grenier, personne que j'adore, un youtubeur que j'aime beaucoup. Quoi d'autre? Vous pouvez prendre Dragon Ball sur la map, et au fur et à mesure que vous gagnez Dragon Ball, vous pouvez demander au dragon Sharon d'apparaître, et vous avez à peu près. Un vœu à faire sur la Terre, trois vœux sur Namek, et la Terre, en gros, quand t'es sur Terre, tu te fais un Mac. Ah mince, je peux pas passer. Je suis un passeur compulsif, moi j'aime pas les dialogues, faut que ça se passe vite, j'en peux plus. Ah oui, aussi, ils ont voulu mettre pas mal de trucs dans le mode histoire, mais je l'ai fini, mais pas sur cette sauvegarde. Ils ont mis une période GT, Dragon Ball GT, une chose qui ne devrait jamais exister. Et ils ont juste mis Gogeta SSJ4 contre Omega Sharon. Ok. C'est pas possible. C'est faux. Pour avoir Gogeta SSJ4, faut quand même d'abord Sangoku SSJ4 et Vegeta SSJ4. C'est ça. On part dans le n'importe quoi. Et le mode histoire, il est bien fait. On va pas dire le contraire. Il respecte assez bien les périodes, la période Dragon Ball Z, la période Saiyan, Freezer. Même il sépare deux fois les périodes en fait. Vous prenez la période Saiyan. Voilà. Vous prenez la période Saiyan, après vous prenez la période Namek. C'est même pas la période Namek. Namek entière avec Freezer et tout, non, ça s'arrête jusqu'à la fin de Ginyu. La fin de Ginyu qui est très bien faite, hein, c'est en Sangoku, et après vous, à la fin vous le battez avec Vegeta. Et Ginyu, hop, et après hop, une autre série de combats, et c'est l'apparition de Freezer, magnifique. C'est triste, hein. Ils auraient pu mettre ça dans un truc et mettre un peu plus de combat. Et après avec Freezer, après le truc de Freezer, c'est les cyborgs et après Cell. Encore une fois, ils sont permissifs, hein, ils permettent pas mal de choses.
Donc là, regardez, la petite routine de Raditz, c'est de mettre comme, comme Piccolo, toujours faire X pour les Magnetic Box. Vous pouvez tout le temps l'attaquer en faisant Y, ça passe. À l'aise. Ça passe tranquille, hein, vous n'avez pas trop de problèmes. Pour l'instant, j'ai pas trop de perdu de vie. Ah bah dommage, j'aurais pu faire un perfect. Bakobotsumako, Makinkozapo. Alors vu que c'est le deuxième combat, il vous laisse carrément faire en fait. Hein. Raditz, il vous regarde de loin, il s'en fout. Et oui, voilà, l'incohérence, c'est que vous avez vu, je l'ai tapé dans le dos, ce qui fait qu'il partait. Et là, il se retrouve comme si je l'avais tapé dans à l'avant. C'est une légère incohérence. Ça passe vite fait quoi, mais ça c'est énervant. Et je peux pas passer. Excusez-moi. Là on se repart avec Sangoku, redialogue. Pour ceux qui ont lu le manga, tant mieux. Donc vous savez l'histoire. Hop. Voilà. Petite routine. Donc au final, on se retrouve pas vraiment avec un jeu totalement aléatoire. Comme beaucoup de critiques ont dit, on se retrouve pas avec un jeu où on a 50% de chance de réussir. Non, parce que les personnages ont une routine, ce qui fait que les 50% de chance, on les a même pas. C'est on a 95% de chance de réussite. Là, voilà, j'ai voulu y aller trop vite. Vu qu'on a 50% de chance de réussir. Hop, voilà, 50% de chance de réussir, bien sûr. On a 95% de chances de réussir. Le seul 5% de chance qui reste de ne pas réussir l'enchaînement, c'est tout simplement le fait de... Quand on fait trop une chose, vu que c'est quand même un ordinateur, il va le comprendre une fois, sans prévenir, comme ça, il va changer. Mais la fois d'après, non, il va s'en foutre. Bon, alors, est-ce qu'on peut le contrer? Oui, ça, c'est... Ah bah non, on peut pas le contrer. Voilà, quand on vous envoie une attaque spéciale comme ça, c'est quand même bien beau, hein, c'est du Dragon Ball, on fait des Kamehameha, des attaques spéciales, des attaques magnifiques, des attaques magiques, du Genkidama et autres. Oui, je dis Genkidama, pas de Genkidama. C'est avec l'espèce de globule qu'il y a à côté du rond vert, vous voyez, à sa droite. Quand c'est rempli, quand les petites flèches qu'il y a sur les carrés, c'est bleu et jaune, ça veut dire que vous pouvez faire les compétences. La jaune, c'est le Makenko Zanpo, la bleue, c'est le Bakuretsu Maoko. Quand vous pouvez le faire, il y a un truc qui se passe. Là, on ne verra pas vu que c'est le mode histoire. Et sinon, il y a un petit enchaînement qui dépend de votre jauge en bas. Quand vous l'avez de rempli, vous pouvez esquiver ou intercepter. Là par exemple il esquive, mais c'est dans le manga. Je vous rappelais bien, il fait le premier Makinko Zappo et puis il esquive. Donc hop, on continue. Alors oui, aussi un petit truc. Quand on fait des enchaînements comme ça, le Y, enfin les enchaînements rapides, permettent surtout d'augmenter vite votre barre pour faire des attaques spéciales. Le X permet d'augmenter vite, enfin d'augmenter, de siphonner la barre d'énergie de l'autre. Et la barre d'énergie, elle est siphonnée complètement. Là, je pense, voilà. Donc, on continue, c'est énervant, il y a une espèce de blocage entre les deux, ça fait... Voilà. Donc il a toujours pas compris. Moi je vais faire un Kamehameha. Donc voilà, faut utiliser le joystick droit et mettre haut. Hein, c'est tout. Le Kamehameha il est pas craqué. Hein, il est puissant, c'est normal. Le plus craqué que j'ai vu dans les attaques, c'est quand vous êtes en mode avatar. Voilà, là j'ai voulu aller trop vite encore une fois. Quand vous êtes dans le mode avatar, vous commencez au début, vous faites martyriser parce que leurs attaques, elles vous font putain de mal, quoi. C'est ignoble. Leurs attaques, elles vous font souffrir. C'est incroyable. Je me suis pris un Kamehameha de Krilin. De Krilin, quand même.
c'est pas le personnage le plus puissant dans Dragon Ball, c'est même l'un des plus nuls. J'ai pris un Kamehameha, ça m'a enlevé 25 000 de vie, quoi, au début. C'est parce que j'avais pris l'avatar mince. Là, c'est très bien représenté, si vous avez vu le manga aussi, ou même le dessin animé. C'est exactement ce qui se passe, même s'ils auraient pu mettre les trous comme dans le manga. Exactement ce qui se passe. Ils se prennent le Makenko Zappo et Son Goku arrive derrière Raditz pour l'empêcher de se barrer. Et, oui, Kamehameha de Krillin qui m'a enlevé 25 000 de vie, quoi. C'est au début, vous faites martyriser. Il faut vraiment être, bon, pas chanceux, puisque dans, au début du mode avatar, le jeu considère que vous êtes un newbie, un néophyte. Donc, il vous laisse un peu... les routines sont encore plus présentes, quoi. Vous faites X ou Y, l'autre en face, il va faire l'inverse. Pour que vous ne puissiez... pour qu'il vous contre pas trop. Mais quand même, si vous prenez pas trop de... une sacrée branlée. Oui, au fur et à mesure de mode histoire et du mode avatar, enfin, mode avatar, c'est quand vous faites l'entraînement. Au fur et à mesure du mode histoire, vous gagnez des attaques pour vos personnages principaux. Pas les personnages du mode avatar, mais pour les personnages principaux. J'espère que je me suis bien fait compris. Dans le mode avatar, quand vous faites les entraînements, sur quelques combats, des fois, vous allez faire... vous allez gagner des attaques spéciales. Comme, je sais pas si vous avez vu, quand j'étais en Super Saiyan contre Piccolo, j'ai fait un rayon oculaire. Ça, c'est en faisant l'entraînement de C16, si je me souviens bien, le robot. En fait, son entraînement, vous gagnez ses attaques, ses attaques finales et autres. Et même l'autodestruction. Mais je sais. Bon, je pense pas faire le prochain match. Hein. Je vais juste aller chercher la Dragon Ball. Parce que je sais qu'il y a une Dragon Ball après chaque combat, normalement. Normalement, évidemment. Hein. Si je peux me tromper. Bon, bah, il n'y en a pas. C'est triste. Ah si, regardez, c'était caché à petite coquine. Et vous voyez le point blanc là-bas, qui est tout au fond. Hop. Voilà. Hop, la Dragon Ball est ici. Vous pouvez même faire le mode recherche pour prouver que c'est bien une Dragon Ball. Hop, et voilà, Dragon Ball à 2 étoiles. Donc, je pense pas qu'on va finir là-dessus. 28 minutes quand même. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir au menu principal et je vais vous faire un petit match ou autre. L'entraînement, les options, une capsule, Xbox Live. Bon, allez. On va voir s'il y a des personnes en Xbox Live. S'il y a des personnes en Xbox Live. Non, pas selon le classement. Match avec une dame, je m'en fous. S'il y a quelqu'un, on fait. Bon, bah, il y a personne, malheureusement. C'est triste, j'aurais bien aimé qu'il y ait quelqu'un. On aurait fait un petit match. Peu importe sa connexion. Oh, elle a une connexion de. Bon, d'accord, hein. Bon, bah, il est parti. Moi j'étais prêt, moi c'est cool. Donc oui, je me bats pas dans le mode Xbox Live parce qu'il y a personne. C'est triste. Hein. En même temps, ça doit pas plaire à beaucoup de monde. Hein. Il y a peu de gens qui aiment. Hein. Pourtant, c'est un jeu qui a été beaucoup demandé par les fans. Au début, ils devaient pas le faire. Ils devaient prendre 2 ans pour faire un bon jeu. Et les fans, ils ont dit non, nous on veut un jeu. Cette année, un jeu qui soit... fidèle, qui soit... Ah bah tiens, on va faire le match. Un jeu qui soit fidèle, qui soit accessible, et qui soit graphiquement beau. Le jeu graphiquement est beau. On va voir si on peut prendre nos personnages. Oui, avatar standard. Mais... oh, ah non, voilà, j'ai mon personnage. Super Saiyan SSJ. Je vais prendre mon personnage. Bah tiens, moi aussi je vais prendre un SSJ. Tiens, je prends ça comme ça. Hop, corps à corps. Je sais pas trop quoi prendre corps à corps, attaque spéciale, santé. Donc je pense que lui il a séché le mode avatar, ce qui fait que je vais mettre. Bah, il va avoir tout, genre santé plus 10, corps à corps plus 10 et autres. Hein. Ouais, moi je suis prêt, moi, wesh. Donc. Les connexions.
J'ai pas. J'ai, apparemment, j'ai vu tout à l'heure qu'il a fait 13 déconnexions. Ah non, c'était pas le même. Donc lui, il en a fait une et il est rang F. Je vais certainement me faire F, hein, comme on dit. Je vais me faire démonter. Mais c'est juste pour le plaisir de vous montrer un combat, quoi. Un combat Xbox Live pour bien vous montrer la galère que c'est. C'est un peu du grand n'importe quoi. Hop, voilà. Et je me fais massacre. Donc lui, il a fait l'entraînement avec Gogeta, c'est qu'il a eu, il a dû avoir un max. Mais quand je dis un max, c'est vraiment un max de patience. Parce que l'entraînement de Gogeta, c'est infaisable. Donc là, il va direct me faire une attaque, voilà. Moi, je le savais. Je l'ai capté. Mais il va certainement me faire... Sinon, je suis mort. Oui, oui, non, mais... Je peux rien faire, interception, esquive et défense. Pourtant, il me fait pas tellement de dégâts. Hein. Est-ce que je vois. Bon, allez. L'entraînement avec... L'entraînement avec Gogeta, il est pourri, mais... D'une force... Oh. L'entraînement avec Gogeta, il est nul, quoi. C'est... Vous perdez 10 de santé. Vous perdez... combien... En fait, vous perdez 10 partout. C'est infaisable. C'est ignoble. C'est incroyable comment c'est juste infaisable. Non, mais tu peux essayer de m'enlever de la vie, mais que ça change rien. Hop, vous faites ça, hop. Vous partez vite fait pour essayer de vous empêcher de charger sa barre d'énergie. Vous partez à gauche et ça passe. Vous faites double canon garrick. Et là, il va certainement me faire une interception. Ah ouais. Donc là, faut martyriser le bouton Y. Ah merde. Et je me suis fait avoir un peu là, sur le coup. Hop, 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 hop. Et là, voilà. Moi, je suis tranquille, là, sur le coup. Voilà. Je peux essayer de lui mettre encore un peu plus cher. Boum, 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 boum. Moi, je connais les enchaînements par cœur, puisque le jeu, j'y joue depuis 2 semaines. J'y joue pas aux autres, en fait. J'ai pas envie de jouer à BF, Battlefield. J'ai pas envie de jouer à Call of, parce que ça me gonfle, ça me sidère, Call of. J'ai plus envie de jouer à ça. À chaque fois que je joue à Call of, j'ai envie d'exploser ma manette, j'ai envie de détruire l'Xbox, j'ai envie de jeter la télé par la fenêtre. Pourquoi je n'ai rien fait? C'est débile. Et oui, et je vais quand même te faire le canon Garrick. Tu n'as pas le temps de... Oui, je n'abandonnerai jamais, mais tu vas quand même mourir. Hop. Ça, c'est la technique de Vegeta, si vous vous souvenez. Ouh, et ça fait bien mal comme technique. Hop. Et normalement, j'ai gagné. Voilà. Victoire. Je vous montre une victoire en online, quoi. C'est pas beau? C'est pas magnifique, par hasard? Eh bah, si. Donc, ouais, je vais quand même mis à moitié cher. Hein. Je pense qu'on va s'arrêter ici. Bah, le test que je ferai peut-être un petit peu mieux, je le ferai peut-être pas. D'accord. Ah non, bah, il était pareil que moi, en fait. Ouh, je vais quand même mis cher. Total obtenu, hop, 40, titre obtenu, 0. Pour gagner des titres, faut aller au championnat du monde, et au championnat du monde, faut déjà qu'il y ait du monde. Et il n'y a personne. Je peux vous montrer. Et là, ce serait bien marrant qu'il y ait quelqu'un. Voilà, il n'y a personne. C'est quand même triste. Tout, utiliser les techniques, peu importe. Voilà. Là, vous allez voir, il n'y a personne. C'est... Le seul moyen de faire des championnats du monde, c'est d'aller sur les forums, de dire ça vous tente un championnat du monde. Mais j'ai pas que ça à faire. Je suis désolé, mais moi j'ai envie de jouer à un jeu, j'ai pas envie de t'attendre 3 plombes en voyant un message sur un pauvre forum en disant ouais, quelqu'un veut jouer avec moi. C'est un peu comme Facebook, hein, tu vas sur les forums pour demander s'il y a des gens qui veulent jouer avec toi. C'est pareil, Facebook, t'arrives, tu vas sur une page, tu dis tu veux être mon ami, c'est la même chose. Le mode combat qui te permet de te battre, je vais pas trop le montrer, c'est pas utile. Le mode combat en équipe, vous faites carotte parce que si vous avez un personnage à 60 000 de vie et que vous en prenez deux, bah ils auront tous les deux 30 000 de vie, quoi. C'est avec la limite de temps à l'infini, toujours difficulté l'IA, j'ai un contre IA, IA contre IA,
mode avatar, mode histoire, j'ai tout montré, mode championnat du monde, j'ai pas envie d'en faire un. Personnalisation, bah tiens, je vais peut-être le montrer ça. Personnaliser groupe de techniques, les groupes de techniques que j'ai montré tout à l'heure, que j'ai pris. Full corps à corps, hein, 6-4-2, avec l'aura de Super Saiyan. La santé, il me manque juste la santé, enfin des trucs de santé pour que ce soit un truc full santé. Ça c'est défense, mais j'ai quasiment rien. Ça c'est pour l'attaque spéciale, ça c'est attaque spéciale, ça c'est défense des attaques spéciales. Et ça c'est un peu équilibré, corps à corps, attaque spéciale et attaque et des santé. Pourquoi j'y attaque? Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce jeu. Si on peut personnaliser les musiques qu'on aura en combat, c'est sympa, mais bon. Par exemple, vous voulez, hop, prenez ça. Non. Voilà, ça. Après, vous prenez, évidemment, le truc que tout le monde connaît. Tchala et tchala. Et pour finir, bah, vous finissez avec un truc bien fun, Goku. Et voilà, vous avez un medley de musique. C'est pas plus bête que ça, je vais le mettre, tiens. Je vais l'enregistrer sous le nom de YouTube Vidéo. Voilà. Et bah, c'est tout ce qu'il y avait à présenter pour ce jeu. Vous avez vu à peu près le système de combat. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Moi j'adore le système de combat parce que beaucoup disent que c'est du 50-50. Non, si vous voyez bien, c'est un système de routine du personnage, de l'IA. Plus l'IA est en facile, plus il va avoir la même routine, c'est de mettre tout le temps vouloir mettre X. Même en Xbox Live, si vous avez bien vu, il avait la même routine. J'avais juste à lui faire un Y et ça passait. C'est pas du tout un système de chance, un système de routine peut-être en Xbox Live, mais il faut pas oublier ceux qui critiquent, c'est d'abord ceux qui ont demandé à avoir ce jeu. Fort quand même. Mais bon, sur ce, je vous dis à la prochaine. Si vous avez aimé, un j'aime, ça fait toujours plaisir. Si vous avez pas aimé, évitez le pouce rouge, hein, s'il vous plaît, ça me frustre à mort. Non, je plaisante. Mais si vous pouvez ne pas me mettre de pouce rouge, s'il vous plaît. Non, je plaisante. Encore une fois. Une autre chose, certainement, qui s'appelle l'abonnement. C'est bien, c'est sympa pour continuer à voir les vidéos de la personne. Si vous voulez continuer à voir mes vidéos, vous vous abonnez, s'il vous plaît. C'est un appel au secours à l'abonnement. Non, je plaisante encore une fois. Je plaisante beaucoup à la fin parce que c'est le seul moment où j'essaie de plaisanter. Non, si vous avez aimé, vous aimez. Si vous n'avez pas aimé, vous mettez un pouce rouge. C'est triste, mais c'est comme ça. Et si vous voulez vous abonner et suivre mes vidéos, vous abonnez. A plus, ciao, bye bye, à la prochaine.